La Trinité divine se compose ainsi. Le corps divin, c'est tout ce que nous apercevons comme matériel. L'âme de la divinité, c'est tout ce qui est éther et qui décide. L'esprit décide à travers l'éther qui est l'âme. Et l'âme ne fait qu'exécuter les choses, elle n'a pas d'autre choix. Ça veut dire que nous, ce qui est attendu de nous, c'est que nous nous conformions à l'esprit divin de la nature par imitation. Le soufre, c'est l'information, le mercure, c'est le ciel et l'éther, etc., etc. Donc la curiosité est bien de savoir qu'il est appelé éther parce qu'il est, il vient de la trinité d'informations. Alors pour une information, il y a trois critères. Quels sont-ils? Il y a nécessairement un émetteur, un milieu à franchir et un récepteur. Nous sommes d'accord. Donc le premier élément de cette trinité qui nous est accessible, nous sommes le récepteur. Mais si on occupe nos éléments de réception par des tas de cochonneries, le foot, entre autres, etc., il y a très peu de chances que pour l'information, que l'information divine reste dans notre âme, s'y complaise et s'y établisse. C'est comme le Saint des Saints. S'il n'y a pas de divinité dans une église, ça ne sert à rien. Vous pourrez faire toutes les singeries que vous voulez. Le problème, c'est ce qui se passe avec nos églises de nos jours. Il en reste quelques-unes actives, mais pour la plupart, malheureusement, elles sont défuntes.